êtes les dirigeants de Game Shakers. Oui, c'est ça. Dans le mille. Après le succès mondial de Skywheel, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Eh bien, nous lancerons notre nouveau jeu dans 2 semaines. Ah oui? Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle... Eh bien, ce tout nouveau jeu s'appellera Petit Cornichon. Non, ça s'appelle pas comme ça. Donc, c'est... Qu'est-ce qu'il fait, là? Eh bien, le jeu est basé sur un rêve que j'ai fait la nuit dernière, juste après avoir mangé un plateau de fruits de mer. Est-ce qu'on peut lancer la pub? Tout à l'heure. Et la suite, racontez-moi. Alors, j'étais au Mexique, je voyageais à dos de zèbre, mais le zèbre n'avait pas de rayures. Est-ce qu'un zèbre sans rayures, c'est pas juste un cheval? Lui pose pas de questions. Ça va? Donc, moi, je suis là, sur un zèbre, et juste à côté de moi, installé sur un éléphant, je vois LeBron James. Quoi? Et devinez avec quoi il driblait? Eh bien, sûrement avec un ballon de basket. Non. N'en dis pas plus, s'il te plaît. Un gros globe oculaire. Arrête-le! Comment veux-tu que je fasse? Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Dites-moi. Une bande de sirènes, mais inversée. Oh. Mais c'est quoi? Je comprends pas. Elles auraient des têtes de poisson et des jambes de femme, c'est ça? C'est ça, quatre yeux. Enfin bref, notre jeu s'appelle Monstro Miam. Le but du jeu, c'est de... Et alors, j'ai pris mon lance-cornichon et j'ai commencé à envoyer des petits cornichons sur les sirènes inversées. Ça, c'est fantastique. Ah oui, grave. Est-ce que je peux en placer une? Non, désolé, mais on n'a plus le temps. Quoi? Non, attendez. Les amis, très bientôt, vous découvrirez ce nouveau jeu des... Petits cornichons. Petits cornichons, vous allez adorer. Excusez-moi, je voudrais juste vous... Ah, Hélène, viens debout, on va danser. Oh, mais écoutez, oui, je voudrais... Cette danse s'appelle un dada sur mon zèbre.